Ma fille est un trésor de tous ces mondes. Son futur mari est le prochain roi. Elle va le rencontrer pour la première fois sur l'autel de son papa. Je veux que tu conduises prudemment. Je veux que tu la conduises paisiblement à la vraie et à la bonne destination. Ma reine, j'ai toujours travaillé avec vous avant qu'elle soit née. Vous croyez à moi et je ne vous ai jamais déçu. Mais le problème est que... Mais quoi, Bouka? Mais quoi? Je n'aime pas l'expression sur ton visage depuis ce matin. Écoute, je suis prête à rencontrer cet homme et je sais ce qui va se passer. D'ailleurs, ce n'est pas notre première rencontre. Alors je t'en prie, dépêchons-nous, on n'a pas le temps. Ma princesse, je sais que c'est lui qui va vous épouser, sera le roi. Mais ne vous en faites pas. Je vais personnellement vous amener là où vous devez vous voir avec le prochain roi. Ne vous en faites pas. Pouvons-nous partir? Ma fille. Oui, mère. Ma princesse chérie est ma fierté. Oui, mère. Rends-moi fière. Rappelle-toi d'où tu viens. Les gens disent que tu vas rentrer en Amérique demain. Quand tu finis avec lui, je veux que tu rentres tôt à la maison, ma chérie. Je le ferai. D'accord. Au revoir, mère. Prends soin de toi. Merci. Je reviens bientôt. Bonne chance. Merci, ma reine. Merci. Bon voyage. Je n'arrive pas à croire. Tu as laissé Carita toute seule à Los Angeles. Juste à cause de cette princesse locale. Carita est une fille très fortunée comme toi, boss. Exact, une fille fortunée comme moi, je comprends bien ça. Mais il y a aussi de notre côté la tradition, d'accord? J'ai fait une promesse à mes défunts parents que j'allais épouser la princesse et devenir le roi avant leur mort. Tu comprends ça? Alors, qu'est-ce qui va arriver à tous les autres là? Tous qui aspiraient au trône? Qu'est-ce qui va arriver à tous lorsque tu seras le roi? Tu sais, Ruffler est dans mon sang. J'espère que tu comprends quand je parle de son, n'est-ce pas? Bon, je vais d'abord voir à quoi elle ressemble. Et puis, je vais décider. Tu sais comment sont les filles, n'est-ce pas? Mais mon corps, mon esprit, mon âme est avec Carita. Je vais d'abord voir ce que cette fille a. Je vais un peu voir à quel point elle est bonne. Toi, tu es le boss, mais... Toi, tu es le boss. Et je suis loyal oui, à ça, je sais que tu l'es très bien. Tu dis quoi? Vas-y. Écoute-moi un peu. Il faut que toi, là... Ah bon? Tu lui apprennes quelques chansons et quelques histoires. Tu comprends? C'est ça, c'est le... Ça. Boss. Tu es le boss. La croix et la mort. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Hein? C'est parce que ils n'arrivent pas à voir le futur qui arrive déjà. C'est vraiment ça. La croix et la mort. Ils ne peuvent pas voir. Mais ça arrive. Bouka, ce n'est pas la bonne route, non? Relax, ma princesse, relax. Je vais prendre quelque chose à un ami là-bas. Hein. Ça ne va pas prendre du temps. Relax. S'il te plaît, nous devons nous dépêcher. Mon roi est en train de m'attendre. Ne t'inquiète pas. Tu vas voir ton roi. Hein? Tu vas voir ton roi. Calme-toi, tu le verras. Hey, qu'est-ce qui se passe ici? Hein?
Ah, ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe exactement? Je ne sais même pas où. Hein? Hey! Oh, ça veut dire quoi tout ça, non? Comment je vais m'enfermer dans la chambre de ma fille? Oh, ça veut dire quoi, ceci? Ça veut dire quoi tout ça? Oh! Oh, ça veut dire quoi tout ça, non? Oh non, mais allez! Elle ne répond pas aux appels. Peut-être qu'elle est en train de conduire. Conduire? Non! Elle doit avoir un chauffeur à sa disposition. Sûrement c'est dans sa poche ou dans son sac à main. Tu viens de dire la poche? Non, mais allez! Nous avons parlé de ce numéro il y a longtemps. Écoute-moi. Je vais juste la voir, tu vois, j'ai beaucoup attendu. Doucement, boss. Calme-toi. On vient vraiment de loin à cause de ça. Mon cher prince, c'est quoi le risque? Mais qu'elle vienne ici. Mais qu'elle vienne ici, écoute. Vous ne comprenez pas, tu vois ça? Parce que, ici, partout ici, tu vois que les gens n'arrivent pas à voir la vraie valeur que moi j'ai. Hein, tu vois ça? Alors, les gens n'arrivent pas à comprendre que je suis ici. Est-ce que tu me comprends? Tu as tout ton temps. Oui, ils sont comme ça parce qu'ils mentent. Tu as tout ton temps. Oui, c'est ça aussi le problème. Tu sais comment ça marche là-bas. Surtout quand on est en ville. Il s'agit d'argent. C'est de l'argent. Nous avons beaucoup de temps en Afrique. Afrique quoi? Allez, arrête pas cette histoire d'Afrique, s'il te plaît. Le temps signifie beaucoup de choses. Ici, nous sommes en Afrique. Je suis un noir américain, n'est-ce pas? Ah, tu vois, tu comprends ça maintenant. Afro-américain, c'est ça, oui. Tu sais comment est-ce qu'on doit faire les choses maintenant? Le temps n'est pas à perdre. Exactement, boss. Oui, écoute ma reine, écoute-moi ma reine, hein? Oui, c'est moi qui détiens le téléphone, c'est moi qui ai le téléphone. Je suis le seul à avoir le téléphone, c'est moi qui détiens le téléphone. Non, la porte n'a pas de problème, il n'y a rien qui ne va pas avec la porte. J'ai bloqué la porte, oui, je l'ai bloqué et j'ai pris la clé. Oui, écoutez, je suis à un endroit là où vous ne pouvez pas me localiser. Bien sûr que je suis avec Céline, elle est ici. Écoutez, je n'ai même pas le temps pour toutes ces bêtises-là. Je vais vous dire quoi faire. Pour le moment, je ne vais pas la libérer. Je ne vais pas du tout la libérer. À moins que vous fassiez ce que j'ai dit. Est-ce que vous comprenez? Que se passe-t-il ici? Bouka, que veux-tu au juste? Je te veux toi et le royaume. Hein? Je veux le papier. Je servis ton papa. Très bien. Je l'ai bien servi. Hein? J'avais toujours ces rêves. J'avais toujours ce rêve de devenir, de t'avoir et de devenir le prochain roi. Je ne permettrai pas à un autre homme de t'avoir juste parce qu'il est privilégié. Non! Je suis le seul qui t'aime vraiment sincèrement. Et si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura. Ceci doit être un rêve, n'est-ce pas? Ceci ne peut pas arriver, n'est-ce pas? Oui, c'est maintenant arrivé. Comme j'ai dit, si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura. Chica! S'il te plaît, va chercher partout la deuxième clé. Va dans ma chambre. Vas-y, cherche, cherche. Ok, ma reine. Hey. Hey. Oh. Allô? Cross, il y a un problème, oh, un grand problème. Le chauffeur royal l'a kidnappé et il m'a enfermé dans sa chambre.
Je n'arrive pas à croire que celui que je connais pendant plus de 20 ans peut me faire ça. C'est un vrai choc et je n'y crois pas. Oh. Elle a été prise en otage et kidnappée. Hein? Comment? Quoi? Par qui? Un fils de pute qui se fait passer pour le chauffeur. Ce même putain de chauffeur familial. Depuis 20 ans déjà. La vache! Mais qu'est-ce qu'il veut exactement? Je ne sais pas. C'est ce que je me demande d'ailleurs. Ah, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais, Omer, ce voyou-là pense qu'il peut me soutirer de l'argent alors qu'il ne comprend rien du tout de Danko Fetiyako. Rien du tout. On ne peut jamais se jouer de moi. Jamais. Ah. Il ne sait pas que dans peu de minutes, nous pouvons organiser un gang et les détruire dans peu de minutes. Exactement. Il a voyé très vite au ciel. Ah. Ah. Il faut que je retourne à la rue. Écoute, tu sais, j'attends maintenant le signe de les personnes qui feront l'expédition pour que nous recevions rapidement les colis. Notre vie tout entière dépend de ça. Selon mon ami, nos vies tout entières dépendent de ce deal, ce seul et même deal. Je ne veux pas ça du tout. Ah! En tout cas, moi non plus. Essaye le numéro. Essaye le numéro, ça peut marcher. Ce gars-là, il suffit juste que j'aie une bonne occasion. Je peux t'assurer. Tu verras toi-même comment je vais les exterminer. Et tous. Putain de problème de réseau. Hey, c'est du n'importe quoi, ça. Ah, c'est du n'importe quoi. Va m'apporter à bord, s'il te plaît. Vas-y. Vas-y. Tu es méchant. Tu ne vas pas comprendre. Comprendre quoi? Comprendre que je suis le seul qui t'aime follement, sincèrement et durement. En me kidnappant, tu m'empêches et me prives de voir mon futur mari? Non, tu n'as aucun autre mari, à part moi. S'il te plaît, ferme ta sale bouche. Non, ce n'est pas ce que tu vas dire. Ce n'est pas ce que tu vas dire. Mais de quoi t'inquiètes-tu? Je suis toujours en train de t'observer. Je te l'ai dit. C'est mieux de contrôler ton langage avant que ce soit trop tard. Hein? Essaye de te contrôler et attends jusqu'à ce que tout se passe bien. Est-ce que tu comprends? Comprends-toi bien. Je t'ai apporté quelque chose que tu pourras mettre dans ton ventre. Alors sois raisonnable. Mmh. Hein? Tu n'es pas obligé d'utiliser tes mains. Oh. Et moi, je vais essayer de te faire manger, tu comprends? Je vais t'aider à manger, tu vas bien te sentir. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche, tu t'inquiètes pourquoi? Écoute, essaie de comprendre. On a fait ça spécialement pour toi. Hein? Et c'est très bon. Hein? Il serait bien que tu prennes cette nourriture. Hein? Vas-y, prends. Ah ah. Hey. Non, mais que veut dire tout ceci? Hein? Réponds à mon appel, non? Ça veut dire quoi tout ça? Hey. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois appeler la police? Non, non. Il a dit que si je le faisais, je ne reverrais plus ma fille. Oh, ma fille.
Tu aurais dû le savoir. Tu aurais dû le savoir. Ma reine. Ma reine. Oui. Je cherchais partout, mais en vain. Je ne trouve pas la clé qui peut ouvrir la porte. Je ne trouve pas le père qui va avec la serrure. Même le portail est verrouillé. Nous sommes tous bloqués ici. Ça veut dire quoi tout ça, non? Ça veut dire quoi tout ça? C'est quoi ça? J'aurais dû le savoir. Tout ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Non, 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 non. Je ne sais pas si vous comprenez bien la chose. Écoute, il faut que nous impliquions la police afin de pouvoir ramener ma chérie. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Écoute, je comprends tes peurs. Parce que j'ai aussi mes peurs. Mais réfléchis un peu. Je le sais tous que je fais ça à Los Angeles. Et si je suis venu ici, c'est bien pour voir ma chérie. Exactement! Parce que là, je me sens vraiment frustré. Parce que il faut que je quitte ce pays demain. J'ai beaucoup de choses à faire. Je dois m'occuper de mes affaires. Très bien, ma reine. Tu sais ce que nous allons faire? Je vais te donner un peu de temps pour que toute cette affaire soit réglée. Il faut que je bouge, mais bien sûr, je ne peux pas perdre mon temps pour des choses stupides. Très bien. Ce que nous allons faire, je vais juste rester là. Comme ça, je vais attendre la suite. Ok, très bien. Très bien. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Le chauffeur demande un peu trop. Mais je ne sais pas. On peut juste faire ça. Pour la fille. Ah, elle ne peut pas être patiente. Je ne sais pas du tout. Mais elle a dit quelque chose du genre qu'elle est un peu confuse. Oh non, hein? Je veux qu'on le fasse vite. Tu sais, c'est ça ton problème. Je sais bien où tu veux aller. Mais tu ne te serviras pas de mes pantalons. Parce que moi, j'ai beaucoup peiné pour avoir tout ce que j'ai là. Est-ce que tu me comprends bien? Boss, je vais te donner un peu de champagne pour calmer la douleur. Juste comme quand nous étions en Espagne, nous allons jouer, moi je suis dans le train et toi oui, tu vas marcher. Toi dans le train, c'est ce que nous allons faire. C'est comme ça. Très bien, je t'attends. Je vais calmer ta douleur. Oui, bien sûr, je vais un peu voir. Tu ne veux pas dire à ma mère combien tu veux. Écoute, attends. Penses-tu que je suis en train de blaguer? Tu ne penses pas que c'est la vérité? Bien sûr que oui. Tu ne peux pas être roi, même pas dans ton rêve. Encore moins de faire de moi ta reine. Non, 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 non. Ne t'inquiète pas. Toi, ne t'inquiète pas. Lorsque ta mère va appeler, tu verras. Lorsque ta mère appellera, tu verras. Tu vas voir. Voir quoi? Ne t'inquiète pas. Avant qu'elle appelle, et tu verras. Est-ce que tu comprends?
Tu vas voir. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Quoi encore? Si pas casser la porte. As-tu une expérience? Non, je n'en ai pas. Je n'en ai pas, sérieusement. Tu n'as aucune expérience. Comment serait-ce pour nous de casser cette porte? Ah. Mais ne sommes pas des premières personnes. Les problèmes arrivent toujours. On peut toujours demander de l'aide. Oui, c'est vrai. Exact. Pourquoi on n'essaye pas de le pousser? Essayons. C'est bon. On va. C'était mon dire. Pousse. Oui, essaie de pousser fort. Hey. Poussez. Utilisez votre effort pour pousser ça, non? Hey. Est-ce que ça s'ouvre? Essayez encore, non? Hey, arrêtez. Je pense que c'est lui qui appelle. Attendez, je vais savoir ce qu'il veut demander. Allô, Wuka? Écoute-moi. Écoute, avant toute chose, écoute-moi. S'il te plaît, ne prends pas ma fille. Fais juste ta demande, ok? S'il te plaît. Écoute-moi. Premièrement, tu dois envoyer le cardinal et tous les documents. Oui. Célina est la mienne. Elle doit être à moi. Oui, je dois l'épouser et je deviendrai le roi. Ok. Deuxièmement, tu dois parler à Célina pour lui dire que je ne blague pas. Je ne suis pas en train de blaguer, pas du tout. Hey, s'il te plaît, non. Pardon. Non, elle ne peut pas épouser quelqu'un qu'elle ne connaît même pas. Ce n'est pas possible. Je suis là et elle est la mienne. Est-ce que vous me comprenez? Parlez-lui maintenant. Parle avec elle maintenant. S'il te plaît, ne prends pas ma fille. Oh, je t'en prie. Maman, je pense qu'il devient fou. Oh, ma chérie, ma princesse. Maman, s'il te plaît, il est sérieux dans ce qu'il dit. S'il te plaît, fais ce qu'il dit. Je veux faire ça, je veux juste faire ça. Tu es sauf? Oh mon Dieu, maman! Il a une machette près de mon cou. S'il te plaît, maman, s'il te plaît, je ne veux pas mourir. Vous l'avez entendu, ma reine? Est-ce que vous l'avez entendu? Oui, j'ai compris. Oui, c'est ça. Comme je disais avant, n'impliquez pas la police ou qui que ce soit d'autre. Parce que tout cela ne va pas marcher. Oui, envoyez les documents. Et je vous dirai que cet ancien de confiance qui viendra parvenir à moi. Et faites cela immédiatement. Je ne blague pas, oh. Je ne suis pas en train de blaguer. Hein? C'est d'accord. Je t'ai entendu. S'il te plaît, ne prends pas ma fille. Hein? C'est la seule que j'ai. Elle est la raison de mon existence. C'est bon, ne te dérange pas. Je vais dire aux gens tout le problème. C'est bon. Je suis en train d'attendre. Tu as compris. N'y bouge pas. Est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que je vais faire, non? Qu'est-ce que je vais appeler? Comment est-ce que je vais les dire? Comment être sûre que je ne suis pas en train de rêver? Oh non, ça c'est pas un rêve. Réveille-toi. Oh non, ça c'est, je rêve, c'est pas un rêve. C'est un rêve. Oui, un rêve. Oh, réveille-toi. Mm-hmm.
Je te jure, cette boisson est vraiment un délice. Ça calme la douleur. Oui? Il faut l'appeler. Peut-être qu'elle a croisé un homme de mauvaises intentions. Ces filles, ces putes, sont en train de me demander un sac de patates. Tu imagines, ah bon? C'est ce qu'ils me demandent. Oui, ma reine. Quoi de neuf? Non, 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 non. Cela ne peut pas arriver. Moi, ce n'est pas possible. Non, mais allez. Mais je me demande comment un voyou local peut ne pas avoir la honte de faire ça. Voilà exactement ce que je t'avais dit. Écoute, laisse-nous avoir le numéro et nous allons impliquer la police et nous allons récupérer ma petite amie. Est-ce que tu comprends? Très simple. Écoute, ma reine, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu n'as pas besoin de trembler. Comme je t'ai dit bien avant, ce gars n'est rien d'autre que un petit voyou qui traîne partout ici. Oui, on lui a déjà donné toutes les chances. Allez, signora. Nous n'avons qu'à voir les numéros. Et moi et mes hommes, nous allons vite débarquer. Et tout sera fait. Qu'est-ce qu'elle a dit? La même chose. La même chose. Mais je ne la blâme pas. Honnêtement, je ne la blâme pas. Mais je ne laisserai jamais la princesse partir comme ça. Et ces voyous-là, ne... Il ne va pas s'en sortir avec la princesse comme ça. Jamais. Boss, les deals. La livraison du colis, ça se fera demain. Et tu penses que je ne le sais pas, moi? Je ne peux pas l'abandonner dans cette situation. Non, je ne peux pas. Voyons, boss. On a fait plus de 5 ans juste pour ça. On a beaucoup de gens qui ont même abandonné leur vie tout en attendant cet accord. Voyons. Je trouverai notre solution pour ça. Comment? Oh, tu me demandes comment? Oh, vraiment, sérieusement. Tu es en train de me demander comment? Mec, tu me demandes comment? Honnêtement, tu me demandes comment? Qu'est-ce que je suis? Qui suis-je? Les sacrificateurs. Oui, tu as compris. Le plus grand. Les fixeurs. Ok. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Hein? Non, rien, non, rien. Rien du tout? Tu blagues avec moi, non. Tu es en train de blaguer avec moi. Je te l'ai déjà dit, je ne suis pas en train de blaguer. Je ne blague pas. Tu me déçois. Je suis désolée. Tu es désolée. Devais-je te rappeler que ta maman n'a pas encore appelé? Ta maman n'a jamais appelé. Et toi, tu raisonnes à comment te délier. Hein? Est-ce que c'est bien? Bien sûr. Je suis en colère. Oui. Tu me déçois. Hein? Mais tu es toujours en train de me décevoir. Tu me déçois vraiment. Hein? Je ne veux pas te perdre, oh. Je ne vais pas te perdre. S'il te plaît, elle va te rappeler. Elle va rappeler. Elle va appeler. Elle va appeler. Ne t'inquiète pas. J'ai le contrôle. Je te l'ai dit. N'essaye plus jamais ça. Tu as compris. J'ai pitié pour la reine. J'ai aussi pitié pour elle également.
parce qu'elle souffre pour le moment. Mais qu'elle a à nous faire maintenant? Rien. Mais attends. Je pense que ces gens sont tellement méchants. Mais de toutes les façons, qu'allons-nous faire pour le moment? On n'a qu'à se taire. Bouka, honnêtement, je n'ai jamais cru que Bouka préfère une telle chose. Là, c'est toi. Parce que tu ne les connais pas. Oublions. Parce que c'est bizarre. C'est vraiment étrange. Zélina, s'il te plaît. S'il te plaît, essaie de réfléchir. Hein? Qu'est-ce qui est de si difficile de répondre à ma requête? Hein? Cette requête. Hein? Dozo. Dozo, les rois. Est-ce que tu y réfléchis? Hein? N'est-il pas la même chose qu'ils veulent? Et Dozo embrasse tes jolies lèvres. Est-ce que tu as pensé à cela? Ce n'est pas des choses que Dozo peut avoir. Hein, Célina, s'il te plaît. S'il te plaît, parle à ta mère. Dis-lui que je suis vraiment amoureux de toi. Je vais t'avoir et devenir le roi. S'il te plaît. Hein? S'il te plaît. Hein? Tu m'as kidnappé. C'est ta manière de me prouver ton amour? Quel genre d'amour est-ce? Je suis désolé, mon amour. Je suis désolé, mais c'est la seule manière pour obtenir ce que je veux. Parle à ta mère. S'il te plaît, essaie d'y parler avec elle. Le jour où nous saurons ce que c'est, tout ceci prendra fin. Quoi? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Attends, tu veux dire quoi? Donc toutes ces pleurs, toutes ces larmes que tu me montres, c'est pour me dire cela, hein? Hein? Ça ne fait rien dire pour toi. Il n'y a pas de problème. On va aller comme ça. Attends, on va aller. On va rentrer. Ne t'inquiète pas. Tu te mets même à pleurer. Et tu veux me montrer tes larmes. Ne t'inquiète pas. Ah, c'est juste une demande. Une seule demande. Hein? Je veux juste t'avoir. C'est simple. Je deviens le roi et je deviens la reine. Ah, tu veux qu'une personne le roi? Hein? Tu ne peux pas permettre à tout le monde de toucher. Il faut bien choisir qui sera ton privilège. Regarde tes lèvres. Tu n'es pas n'importe qui peut t'embrasser. Hein? Tu vois, je t'ai expliqué la réalité, mais tu ne veux pas toujours me croire. Attends. Tu vois, c'est ici que tu vas mourir. Tu vas mourir ici. Attends, on va voir. Hein? Tu ne veux pas réussir les rois. Hein? Je te présente mes condoléances. Hein? Tu vois aujourd'hui? Tu vois aujourd'hui? Tu vas voir. N'aie pas peur. Toutes les personnes que j'appelle disent qu'ils deviennent fous et que ça ne peut pas marcher. Je ne peux pas risquer la vie de ma fille. Je dois informer la police. Et au même moment, je ne peux pas attendre jusqu'à ce qu'ils lui fassent du mal. Hey, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment est-ce que je vais mettre fin à cette affaire? Oh mon Dieu! Soutiens-tu l'idée d'essayer un peu d'agir? Jamais. Pourquoi? Boss, tu connais ce pays. Si tout va mal, et tu seras piégé pour ça. Et tu iras en prison à cause de ça. Même si tout va bien. Il te sera toujours demandé de signer beaucoup de documents. Vraiment beaucoup. Là-bas à la station, pendant plusieurs jours. Carita, c'est le feu.
et tu es désiré. Boss, prends ton temps. Parle à cette femme. On peut encore y retourner si tout va bien. Bouka, tu as un problème. Laisse-moi t'aider à mettre fin à cette bêtise, s'il te plaît. Non. Le seul problème que j'ai, c'est toi. C'est toi mon problème. C'est pour cela que je pleure. Tout ce que je veux, c'est toi. Et maintenant, là, tu me prends pour un fou ou malade mental. Oui, je le suis. Je suis fou, je suis malade et je suis tout cela à cause de toi. Bouka, si tu m'aimes réellement, permets-moi de m'en aller. Es-tu malade? Je dis, c'est tout ce que tu veux dire. Et je libère et tu veux t'enfuir, n'est-ce pas? Et n'essaye plus de jouer avec moi. Oh. J'ai toujours la tête sur mes épaules. Tu comprends? C'est-à-dire? Ça veut dire que je suis fou de toi, pas stupide. S'il te plaît, ta maman devait faire quelque chose. Ta maman devait faire quelque chose. Au cas contraire, tu auras des problèmes ici. Je te le jure, tu auras des problèmes. Hein? Je ne blague pas, je ne blague pas. Ah, hein. Ne joue pas avec moi. Tu m'as tellement déçu. Hein? Tu m'as vraiment déçu depuis que je suis avec toi ici. Je vais te tuer, oh. Jenny, je suis brisée et finie. S'il te plaît, aide-moi. Si tu ne peux pas faire face à ça, juste viens à la maison. Viens ici m'aider. Viens ici. Ma force me quitte. Je n'ai pas mangé toute cette journée. S'il te plaît, viens ici et aide-moi. Princesse. Alors mec, si je t'ai appelé ici, c'est parce que je veux que la situation soit sous contrôle avant la prochaine heure. La prochaine heure. Il y a un fils de pute qui est en train d'oser jouer avec moi. Hein? Alors je veux ma petite amie, ici et maintenant. Vous savez, travailler avec un homme à main armée, c'est très difficile. Et c'est pourquoi j'ai besoin d'être en possession de toutes ces informations. Veux-tu jouer avec moi ou quoi? Je veux dire, essaie de te regarder. Tu ressembles, je ne sais pas, à quelqu'un qui revient de la mort. Je comprends pas. Ce voyou n'est rien d'autre qu'un chauffeur du palais là-bas, qui vient d'une famille remplie de pauvreté. Et ton travail est de trouver ces sales fils de pute et de me ramener, ma chérie. Alors, qu'est-ce qui est difficile là-dessus? Et d'ailleurs, il sort d'une famille très pauvre. Dis-moi, qu'est-ce qui est difficile dans tout ce que j'ai dit?
Ok. Vous savez, j'ai besoin d'aller vers la reine. Ce qui veut dire que j'ai besoin de toutes les informations lui concernant. Je veux savoir ce qu'il est capable de faire et ce qu'il a déjà fait dans sa vie. J'ai besoin de toutes ces informations qui me permettront d'entrer dans sa vie et faire bien les choses. Je l'ai dit. Jack, tais-toi. D'accord, boss. Et pourquoi tes lèvres bougent comme ça, comme si tu souffrais de la Parkinson? C'est la preuve que je suis hyper intelligent. Vraiment, c'est comme ça. Hein? J'ai besoin de la pierre. Ouais. Allô? Cross? Quoi? Mais je t'avais bien dit de ne pas inclure la police ou les gens de la sécurité pour deux raisons concrètes. Regarde, je suis toujours bloquée dans cette chambre. Il n'y a pas moyen de passer des informations ou un numéro. Je ne veux pas blaguer avec mon seul œil qui me permet de voir. Non, non. Je ne veux pas accepter ça. La seule personne qu'il s'adresse pour ses requêtes. Et c'est la seule personne que je verrai qu'il parle avec lui. Je ne veux pas blaguer avec mon seul œil qui me permet de voir. Non, non. Ça, je ne permets pas. Je l'avais dit avant. Oh. Oh. Tout ça, c'est quoi? Tu vois, je ne vais pas perdre. Je ne suis pas un perdant. Hein? Ta mère a pris beaucoup d'étapes pour me connecter à tout ça. Pourquoi? Pourquoi? Quand tu as tout bloqué et que tu l'as enfermé, qu'attends-tu? Hey! C'est vrai, je n'ai pas oublié. Et j'ai oublié que j'ai fermé la porte à clé. Hey! Tu sais quoi? Aide-moi. Hein? Aide-moi juste. Je vais faire quelque chose. Je ne comprends pas. Après m'avoir kidnappé, après m'avoir mis en danger, comment veux-tu que je puisse t'aider? Comment? Tu vois, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Tu sais, tu connais comment je suis. Je ne peux pas laisser ça passer, pas du tout. Hein? Honnêtement, j'ai complètement oublié. J'ai oublié que j'avais bloqué ta maman à double clé. Hein? Et elle ne sera pas à mesure de sortir. Comment est-ce qu'elle s'est mise à travers mon idée? Hein? Pour que tu sois ma femme. Hein? Gouma, s'il te plaît, fais-lui raisonner. Hein? Hein? Ce n'est pas bien du tout. Hein? Comment est-ce que je puis bloquer la porte? Hein? Regarde, honnêtement, je t'en supplie. Je t'en supplie, juste aide-moi. Aide-moi à obtenir ce que je veux. Hein? Trouve une solution à ces problèmes. Hein? Si je deviens le roi, tu serais ma femme. Hein? Je t'en supplie. Pense-y. Ne sois pas confuse, je t'en supplie. Hein? Je suis convaincu que c'est moi qui vais te prendre. C'est moi qui vais t'épouser. Hein? Hein? Regarde, je veux juste être le roi. C'est tout ce que je veux. Hein? Aide-moi. Je t'explique, mais tu ne comprends toujours pas. Hein? Je veux juste être le roi. Hein? Je t'en supplie. Hein? Hey! C'est compliqué. Eh, vraiment. Aide-moi juste à l'obtenir. Hein? Je suis sûr que c'est moi qui serai ton roi. Et à la fin, on va se marier. Hein? Hey! J'ai retrouvé la clé
quelque part là. Essayez un peu d'ouvrir avec. Essayez avec ça. Ça seulement la reine est trop fatiguée et a très faim. Attends. Vas-y, dépêche-toi. Ichenye. Pardon, pardon. Demande-moi tout ce que tu veux, je vais te donner. Pardon. Oui, tu peux casser les portails, fais n'importe quoi. Oh, les servantes. Oui, elles essayent d'ouvrir la porte. Elles font de l'air possible pour ouvrir la porte. Je suis sûre que tu n'es pas accompagnée. Rappelle-toi que tu dois venir tout seul. Qu'il veut te parler seul, s'il te plaît. Ok, s'il te plaît, fais vite. Fais ton mieux, pardon. C'est bon. Ça va. Je suis d'accord. Faites rapidement, non? Faites vite. Tu sais, je n'ai jamais rencontré une telle personne avant. Quelqu'un qui est capable de faire des choses. Et ce fut une très bonne expérience. Pourquoi ne pas nous épargner de toutes ces bêtises et aller droit au but? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est tout ce que je veux savoir. Je suis certain qu'il va appeler. Ne t'en fais pas. Autant peu. J'ai besoin d'une bière. Oh Seigneur! Dis-moi un peu, n'es-tu pas fou par hasard? Pourquoi exactement? Ça, c'est l'hôtel de ton défunt père, n'est-ce pas? Et tu sais, la bière dans cet hôtel, spécialement quand c'est très froid, tu sais que c'est très différent. Et tu sais surtout que la bière froide excite mon intelligence. Je deviens beaucoup plus intelligent, hyperactif dans le genre de travail que je fais. Donnez-moi une bouteille de bière. Non, donnez-moi en deux. Oh Seigneur. Jack, ferme un peu ta bouche. Désolé, boss. Alors écoute-moi un peu, petit voyou. Je vais te trouver une bouteille de bière. Mais n'oublie pas, il faut que tu termines ton travail. Écoute-moi très bien. Tu ne sais rien sur Coach Fikio. Termine ton boulot. Écoute, non. Peux-tu juste suggérer quelque chose, hein? À ton mari en devenir, le prochain roi, s'il te plaît, donne-moi juste une suggestion. Bouka, tu es fou. Ok. Maintenant, et aide-moi. Tu vas le regretter. Merci. Mais aide-moi. Hein? Tu t'es de confondre le frère et les amis. Hein? Rappelle-toi, je t'ai amené à l'école primaire. Hein? Je prenais soin de toi, du secondaire jusqu'à l'université. Hein? Parfois que j'oubliais que j'étais un être humain. Je m'occupais de toi et la famille royale. S'il te plaît. Hein? Je t'ai toujours aimé et je prenais soin de toi. Mais je ne savais pas quoi dire. Non, mais je ne peux pas juste te paquer et te livrer à un autre homme comme ça. Alors que je peux juste te marier et devenir le roi et toi, ma reine. Hein? Bouka, un enfant que tu as vu grandir. Mais quel genre de personne es-tu? Je n'ai jamais imaginé tout l'amour que tu as prétendu pour notre famille. Ton plan a été très bien orchestré. Non, Céline, essaie de comprendre. Je n'ai jamais fait un mauvais plan, je te jure. Je n'ai jamais planifié. C'est juste une manière de te dire combien de fois je t'aime. Hein? Et je vais te protéger à quelqu'un qui veut t'amener loin de moi. Hein? S'il te plaît. Hein? Je te jure. Je t'aime. Je te déteste. Et je te le jure. Hein? Appelle-moi comme tu voudras. Appelle-moi de toutes les manières que tu voudras. Je ne vais plus me fâcher. Hein? Et mon problème, c'est ce qui se passe en ce moment. Hein? Hein? Et comment est-ce que tu as laissé Etienne de voir ta mère? Hein? Et il a donné même le numéro à Etienne. C'est ça le problème. C'est ce qui me dérange. Et je veux que tu m'aides, s'il te plaît.
Essaye de me donner une idée qui peut m'aider. Dis-moi une chose qui peut arranger tout ça. Hein? S'il te plaît, donne-moi une suggestion. Je t'en supplie. Hein? Regarde, mange. Mange d'abord. Hein? Mange. Mange d'abord. Tu peux le manger toi-même. On va en parler. Non, c'est pas parce que je fais. Mais je te connais très bien. Quand tu as donné la nourriture, tu ne vas pas me donner une idée. Hein? Je suis sûr que tu vas me donner une idée. Donne-moi une idée. Donne-moi une idée, s'il te plaît. Vas-y, donne l'idée. Ah, là, je commence à avoir de l'inspiration. Passe-moi son numéro. Le numéro de qui? La reine, je veux lui parler. Je veux avoir accès, tu sais. Ça ne dérange pas si même les portes sont fermées. Je me suis habitué à être là. Et si vous ne savez pas, j'ai toujours été un voleur. J'ai toujours été voleur avant de devenir officier. Oh, la montagne. Jack? Désolé, patron. Et vraiment, je me demande comment la police a pu t'admettre comme ça, toi, qui es un ancien voleur, tu vois? S'il vous plaît, ma reine, puisque nous sommes arrivés à ouvrir la porte, je vous prie de manger votre nourriture, s'il vous plaît. Je n'ai pas du tout d'appétit. Je ne veux pas abandonner ces trônes. Je suis tellement brisée que je ne peux plus travailler. Un travailleur. Ah, ma fille. Je veux me donner la mort. Je vous prie, ma reine. Veuillez manger quelque chose. Vous ne pouvez pas rester ainsi. Je vous en supplie. Et Issei? Oui, ma reine. S'il vous plaît, laissez-le entrer vite. D'accord, ma reine. Non. Amenez ça loin de moi. D'accord. Ok. Allô? C'est la reine Betty en ligne. C'est Adé? Écoute, je ne veux rien dire. Je ne veux pas que la police intervienne dans ces problèmes. Je veux que ma fille retourne de Boca. Je le connais plus que tout le monde sur cette planète. Alors, restez loin de nous. Oh. Est-ce qu'il venait te raccrocher au nez ou quoi? C'est quelque chose de normal. Donnez-moi une bouteille de bière. Oh, désolé, boss. Tu sais, honnêtement, je ne comprends pas. Tout ce que tu as fait jusque-là depuis que tu es entré ici, c'est justement consommer beaucoup d'alcool. Dis-moi, es-tu sûr que tu es ce que la police a dit que tu es? Juste une bouteille de bière. Tu sais, ça, c'est le cas le plus facile. Ajoutez une bouteille de bière. Juste une bouteille de bière. Oh.
Allô? Itieni, c'est toi? Je veux savoir, c'est vraiment toi? Hein? Toi vraiment en personne? Toi vraiment avec l'eau et le sang? Tu es avec la reine? Dans la chambre. La chambre de Céline. Dans la chambre où je l'ai bloquée. Comment? Comment elle a pu sortir? Je suis en train de douter de cette histoire. Oui, je suis en train de suspecter que c'est la police qui est en train de m'appeler. Et maintenant, écoute-moi, monsieur la police. Écoute-moi, ferme ta bouche et écoute-moi. Écoute-moi, si tu essaies d'appeler encore ce numéro, je te jure. Je dis que je te jure que je vais la tuer. Je vais la découper à morceaux, je te l'ai dit. N'appelle pas. Hey, ferme ta bouche, d'abord. Ferme ta bouche. Mais attends. Mais c'est le même Iken qui est supposé te parler, n'est-ce pas? On est juste là, toi et moi. Personne ne saura pas où nous sommes. Aucun accès. Quelqu'un qui est venu se me parler de Itienu. Vraiment? Il dit qu'il est à la maison. Hein? La maison, celle que j'ai bloquée partout. Ce n'est pas possible. Bouka, c'est quel genre de méchanceté ça, hein? C'est quel genre de méchanceté? Maintenant, écoute-moi. Tu ne comprends pas du tout. Je te parle bien, mais je ne suis pas un fou. Hein? Je ne suis pas un fou. Je sais ce que je fais. Même si vous appelez la police, ils ne vont jamais me trouver. Hein? Je ne veux pas que vous me vexez. Je ne veux pas ça du tout. Parce que si vous me vexez, quand je me mets en colère là, je te dis, si je me mets en colère, si tu regardes, écoute, parce que qui m'essaie de m'appeler encore, il va voir. Il est fou. N'importe quoi. Je ne suis pas sûre que tout va bien. Mais de toutes les façons, pourquoi on s'inquiète? Je crois que tout ceci prendra fin. Faisons premièrement l'essentiel. Qu'est-ce que tu dis? À quand la fin? Mais pourquoi alors la reine pleure en criant? Mais tu as raison. Mais attends, peut-être qu'on l'a tué. Hey, sans effet. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai rien dit, oh. Ma reine, telle que vous me voyez, je suis confus, vraiment. Je suis très confus, je ne sais quoi dire là-bas. Bouka a des esprits maléfiques ou quelque chose de comme ça? Je pense qu'elle est possédée par quelque chose de plus fort qu'un esprit maléfique. Oh, parce que sa façon de parler, sa façon de se comporter, je n'arrive plus à rien. Je comprends. Mon Dieu, viens à mon secours. Oh. Et il est avec ma fille, ma précieuse fille. Ma force, ma fierté, ma joie. Oh mon Dieu, Marraine, s'il vous plaît, Oh Dieu, qu'est-ce que je fais pour mériter ça? C'est d'accord. Oh mon Dieu, à qui ai-je fait du mal? Oh mon Dieu. Calmez-vous. Ça va. Pardon. Ça va. D'accord. Hey. Ça va aller, Marraine. Pardon, Marraine, ça va aller, d'accord? Calmez-vous, ça va aller, hein? Pardon. Boss. Amener cet homme, c'était une erreur. Il est juste venu pour prendre des bouteilles de bière sans rien faire, hein? Mais il a dit qu'il allait revenir ici. Pour boire encore la bière, hein? Oh Jacques, s'il te plaît, ferme un peu ta bouche, d'accord? Chacun dans ce monde a quelque chose qui marche pour lui. Et ceux qui font beaucoup d'exercices physiques, et il y a d'autres qui se mettent à prendre beaucoup de bière. Maintenant, écoute-moi bien. Tout ce que cet homme-là va me demander, alors moi, ça va pour moi, ça marche. Pourvu qu'il me ramène, ma chérie. Tu comprends? Oh, la bière! Pas avec la bière! Pourquoi d'ailleurs je suis venu avec toi? Que diable viens-tu de dire tout à l'heure là? Désolé, boss.
Désolé. Écoute, je te jure, je suis tellement confus, je suis vraiment confus. Hein? Peux-tu identifier la voix de Tieni si tu l'entends? Oui, parce que je vais appeler encore ce numéro. Hein? Je vais appeler ce numéro et je veux que tu m'aides. Hein? Je veux un partenariat sérieux, s'il te plaît. Hein? Bouka, hein? Je n'ai pas tort de dire que tu es fou. Tu m'as emmené dans ces lieux. Et maintenant, je me veux comme ta partenaire. Non, plus qu'une collaboratrice. Hein, plus qu'une collaboratrice. Parce que lorsque tout va finir, hein, je veux juste que tu identifies la voix. C'est tout ce que je te demande. Hein? Hein? Tu sais quoi? Tue-moi. Es-tu malade? Hein? Pourquoi t'es tué? Si c'est le cas, pourquoi je t'ai amené ici? Les problèmes que je ne vais pas t'amener à un autre homme parce que je t'aime, c'est ça le problème. Je n'ai jamais pris soin des royaumes comme je prends soin de toi. Juste pour laisser un autre homme devenir le roi, au cas contraire, qui va juste nous diriger. Non, 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 ça n'arrivera jamais. Personne ne sera heureux. Hein? Est-ce que tu comprends? Bouka, hein? Tu es vraiment malade et tu as besoin de soins urgents. Là, tu as parlé. Oui, mais là, tu as parlé. Tu as vraiment raison de ce que tu as dit. J'ai vraiment besoin d'une cure urgente. Et là, tu m'as donné une suggestion. C'est une meilleure suggestion. En tout cas, c'est une bonne chose que tu as fait. Tu comprends? Hein? Si, si. C'est... Céline, donne une idée à ces problèmes. Gère-moi un truc. Hein? Donne-moi juste une idée. Hein? Une idée. Ou une opinion. Hein? Suggestion, une idée ou une opinion. Ok. Je comprends. Tu veux parler comme tu voudras, mais je veux une idée. Hein? Une idée. Ou une opinion. Dis quelque chose. Une opinion ou une suggestion. Yo, AJ, mon cher, comment tu vas? Hein? Comment vas-tu? Les choses deviennent difficiles ici. Là, ça commence vraiment à chauffer. Hein? Je ne suis pas prêt de revenir. En tout cas, je ne suis pas prêt. C'est juste un kidnapping insensé, vraiment. Hein? Qui n'a même pas été planifié. Avec une machette? Est-ce que tu t'imagines cela? Et on est en train de rendre les choses très difficiles. Écoute, j'ai des milliers de dollars qui sont en train de s'écouler en ce moment-ci. Hein? Tu es mon cher. Essaie de raisonner à cela. Je t'en sais plus, s'il te plaît. Je compte sur toi. Oui, merci. Mon cher, fais-le pour un ami. Je ne comprends pas mon boss, en tout cas. Je ne suis pas en train de le comprendre. Ok. Il est en train d'appeler. Oui, décroche. Il est en train d'appeler ici. Salut. Salut, Bouka. Oui, 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 c'est moi. Oui. Oui, je suis avec la reine ici. Non, juste nous deux, la reine et moi. Juste à deux. Il n'y a pas de policiers. Nous étions entendus de ne pas les inviter. Hey! Nous avons verrouillé partout. Nous avons tout verrouillé. Et maintenant, on ne sait pas bouger. Devant... Hein? Hein? Non. N'y pense même pas. Il n'y a aucun officier de police. Il n'y a absolument personne que nous trois. Et est-ce que tu essaies de me faire confiance? Il n'y a que toi, la reine et moi. Alors, vas-y, parle. Dis-nous tout. Fais ta demande. Hein? Oui, continue. Parle.
Il part. Allô, Boka. Boka. Il continue de parler. Oh. Il a coupé. Mon Il a même éteint le téléphone. Hey. Qu'est-ce que je fais? Oh, docteur, c'est bien. Mais c'est n'est quoi qu'est-ce qui bon. M'arrive? Laissez-moi l'appeler encore. Ça sonne? Ça sonne, mais il ne décroche pas le téléphone. Hey! Mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Que pouvons-nous faire pour aider? Rien du tout, qu'attendre. Vraiment? Oui. Ah. Appelle-moi Kéti. Ok. Attends un peu. Céline, tu vois, tout est fini. Hein? Je vais te donner tout ce que tu voudras. Tout ce que tu voudras, je te donnerai. Tout ce que tu auras besoin, en tout cas, je te donnerai. Hein? Aide-moi juste à obtenir ce que je veux. Hein? Tu comprends? Et je crois que je l'ai convaincu. Hein? Dis tout ce qui te semble bon. C'est évident que nous allons en finir un jour. Oui, j'ai juste expliqué à Haïti comment venir ici. Oh! Enfin, je vais être libre. Non. C'est pas ce que tu crois. En tout cas, c'est une direction que personne ne saura. Hein? Il viendra seul. Hein? Même pas la police ne sera ici. Mais ça, c'est avec des bêtises. Ah! Même ta gifle, elle est sexy et douce. Ah! Peux-tu le faire encore? Tu as une de ces douceurs. Je suis prêt. Hein? Tu ne veux pas le faire. Ok. Le problème est que je ne vais pas être déçu. Tu vois, dis-moi ce que je peux faire et je ferai pour toi. Hein? Hein? Dis-moi, je fais quelque chose de mauvais. Hein? Ou bien quelque chose de bon. C'est bien ou c'est mauvais. Hein? Hey. Problème. Hi. Alors, passez-moi l'adresse du palais. Je veux aller directement là-bas. Mais je vois que tu as regardé beaucoup de choses dans les films, c'est ça, n'est-ce pas? Tu as passé tout ce temps à réfléchir. Nous t'avons même amené là-bas, au bar. Tout ça pour nous demander l'adresse ensuite. C'est ça? Allez-vous me donner l'adresse ou non? Je n'ai pas suffisamment de temps. Et vous savez que je dois sortir ce qui est mon inspiration. Mais... Hey! Oh. Jack? Désolé, boss. Mais je ne crois pas à cet homme, rien du tout. Tu te vois même à l'œil nu. Tout ira bien, ma reine. Soyez juste calme. Je prie pour ça. Ça va aller, ma reine. Croyez-moi, ça va aller. Qu'est-ce que j'allais faire sans vous, les filles? Merci. Nous sommes une famille, ma reine. Et nous avons été gentils l'un envers l'autre. Y compris Boka. Son attitude nous met tous dans un état d'embarrassement. Je commence à croire que Boka est actuellement possédée. Ma reine, tout ceci prendra fin. S'il vous plaît, que je vous apporte quelque chose à manger. Ma chérie, ne t'en fais pas. J'irai mieux. Amène-moi juste de l'eau à boire. C'est bon, ma reine.
Boka, je suis à l'endroit où tu m'avais demandé d'attendre. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. J'avais peur, je pensais que tu allais venir avec la police ou quelqu'un d'autre. Non, je ne suis pas là-bas en ce moment. Quoi? Où? Mais où es-tu d'abord? Où est-ce que je suis? En fait, je suis un peu loin de là où tu es en ce moment. Alors rentre et dis à la reine Marie-Quête, ce n'est plus important que tu viennes ici. Il ment! Écoute, Itieni, retourne là-bas. Retourne là où tu viens, je te dirai quoi faire. Retourne maintenant, rentre. Et toi, qu'est-ce que tu as dit au téléphone? Parce que cette bêtise doit s'arrêter maintenant. Excuse-moi, tu appelles ça de n'importe quoi? Oh mon Dieu, vraiment. Qu'est-ce qui est en train de nous arriver là? Comme c'est triste. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Tu appelles ça de n'importe quoi? Oui, c'est enfantin et du n'importe quoi. Ah, c'est ce que tu dis. Libère-toi, on va voir. Libère-toi, on va voir. Et tu ferais mieux de trouver une idée qui va nous sortir de là. Hein? Parce que je n'ai plus d'idée, moi. Je n'ai vraiment plus d'idée là, en ce moment. Pense à quelque chose qui peut nous aider. Ou sinon, on va mourir ici. Est-ce que tu me comprends? Mina, regarde-moi. Regarde-moi. J'ai dit, on va mourir. On va mourir ici. Allez, répète, on va mourir ici. Nous mourrons ici. On va mourir ici. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui te dérange? Tu penses que je blague? Tu penses vraiment que je blague? Là, je blague. Là, je suis en train de blaguer. Et là, je blague. Je suis toujours en train de blaguer. Fais attention. Fais attention. Si tu me verses, je suis en colère. Et quand je mets en colère, ça bascule. Est-ce que tu comprends? Ma reine, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un homme qui est venu. Il est resté au portail. Il dit qu'il est un CMD. Que nous avons une enceinte. Il dit qu'il veut vous parler. Je lui ai dit que nous étions bloqués de l'intérieur. Il a escaladé le mur. Oh mon Dieu! Claude va me tuer! Je n'ai pas besoin de la police. Je sais que ça va faire mal tourner les choses. Je ne veux pas que tu tues ma fille. Ok, fais juste un effort de bloquer la porte d'entrée du palais. Je ne veux pas que les gens viennent près de moi pour n'importe quelle raison, non. Oh Dieu. Oh mon Dieu, non. Mon Dieu, pourquoi? Pourquoi? Oh mon Dieu. Du calme. Je ne comprends pas. Il a quoi? Pourquoi diable as-tu appelé MJ? As-tu perdu la tête? Boss, tue-moi. Tue-moi. Fais-moi tout ce que tu voudras. Si on continue comme ça, on ne va plus quitter ces pays en paix. Ce kidnapping doit s'arrêter. J'en ai marre. Parfois, je me demande, qu'est-ce que je fais encore avec toi? Boss, tu es la tête. Comment est-ce que tu peux vivre sans moi? Mon champagne expérimental. Boss, tu es en train de jouer et j'ai pris une décision. Tu es les plantées et moi je suis en train de nourrir. Mon boss? Tu n'es qu'un sale escroc. Tout est déjà prêt, mon boss. En tout cas, je suis toujours loyal, mon boss. C'est comme ça que tu dois agir avec
moi, Jacques. Je suis loyal et on va quitter ce pays. Ouais, on doit partir. La prochaine fois, tu fais encore une telle bêtise. Je te mettrai une balle dans la tête. Boss, je l'ai fait pour toi. C'est pour notre deal, boss. Je l'ai fait pour toi. S'il te plaît, je suis à genoux. Et je t'en supplie de réaliser les problèmes. Hein? Je te dis de quitter ici à cet instant. Va-t'en. Madame, calme-toi. J'ai besoin de toutes ces informations. C'est pour ton bien. Et tu m'appelles, madame. Je suis de la royauté. Sors de chez moi. Je ne veux pas de tes servir ici. Elle sort. Ok, commençons par ici. J'ai besoin de la bière. Une très forte bière ou un whisky. J'en ai besoin. Es-tu normal? Tu as perdu la raison? Premièrement, tu es entré dans ma maison comme un criminel. Et maintenant, tu me demandes une bière fraîche. Sors d'ici! Je dis va-t'en! Bon, c'est d'accord. J'ai toujours été préparé. J'ai besoin du numéro de la personne qui t'appelait. Pour que nous puissions... Bon, donne-moi d'abord le numéro, comme ça on va voir. Va-t'en d'ici! J'ai pas besoin de tes services. Sors! Va-t'en! Es-tu normal? Sors d'ici! Calme-toi. Ah! Ma reine, dors! S'il te plaît, ferme les yeux et dors! S'il te plaît! Donc nous sommes encore là? Oui, oh. J'ai besoin d'un conseil. J'ai besoin d'un conseil, sérieusement. Conseille-moi, s'il te plaît. Hein? Je ne peux pas croire que ceci est arrivé. Moi non plus. Mais dors. Ferme tes yeux et dors. Monsieur la police, excusez-nous. J'ai un message très important à donner à la reine. Hein? De toutes les façons, nous n'avons pas besoin de votre aide. Et nous n'en voudrons jamais, juste parce que nous n'avons pas besoin d'une intention extérieure. Et ce, pour aucune raison. Alors, va-t'en. Je ne peux pas rester sur une simple mission comme celle-ci. Je dois l'accomplir. Je dois vraiment... Oh mon Dieu! Je n'ai jamais vu un investigateur aussi... inutile comme toi. Hein? S'il te plaît, va-t'en. Oui, okay. Va-t'en, laisse-nous tranquille. Ok, je vais chercher la bière. Mais je reviendrai. Ne reviens pas. Ne reviens pas, nous n'avons pas besoin de ton aide. Nous n'avons pas besoin de tes services. Ne reviens plus, s'il te plaît. Ne reviens plus. J'ai dit de ne plus revenir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est qu'un fou, ce monsieur. Cet homme est fou. Hein? Oh. Il a sauté le mur et utilisé le matraque pour entrer dans le palais. Quoi? Et dans tout le porte. Ah. Et est-il normal? Il y a quelque chose qui ne va pas avec ces gars? C'est quel genre d'humain? S'il vous plaît, ma reine, il est important que l'on parte d'ici. Nous devons vraiment partir d'ici. Et parce que, figurez-vous, nous avons un problème très sérieux à résoudre. Exactement. Vous voyez, je n'ai aucune bonne nouvelle maintenant. Et j'en ai aucune. Hé, qu'est-ce qu'il a encore dit à ces moments? Est-ce que tu sais que Boka a pu m'emmener chez Onohu? Et quand je me suis résolu de l'appeler pour une deuxième fois, il s'est même dit, oh, ils sont à Kogi. Oh. Oui, je devrais venir à Kogi. Et soudainement, il a changé d'avis. Et je ne savais pas comment y prendre. Oh mon Dieu. Je ne sais plus à quoi je devrais croire. En fait, je suis vraiment confus. Je suis vraiment confus. Attends un peu. Si je te comprends clairement. Tu veux dire que ma fille est dans une forêt au moment où nous parlons? C'est ce que Boka m'a dit. Hey. C'est ce qu'il m'a dit là. Oh mon Dieu. Je suis finie.
Je suis finie. S'il te plaît, assieds-toi et relax, d'accord? Mais... nous allons trouver la racine de ce problème. Assieds-toi. Assieds-toi. Calme-toi. Ça va aller, d'accord? Oh mon Dieu. Ça mon va Dieu. Aller, ok? Calme-toi. Oh mon Dieu. Ça ne va toujours pas. Je m'inquiète pour la reine. Elle aime follement sa fille. Sincèrement, j'ai vraiment pitié de la reine. Moi également. Écoute, je vais encore l'appeler. Penses-tu que je vais lui dire où nous sommes? Tape le numéro et laisse-moi lui parler. Quoi? Je te donne le numéro et tu vas lui dire là où on est exactement. Et il va quitter bientôt les palais pour arriver ici. Attends, nous allons rester ici. Ferme ta bouche. Es-tu malade? Tu penses qu'on va t'entendre ici? Tu penses vraiment qu'on va t'entendre ici? Ah! Tu es malade, tu es trop bête. Mais oh Dieu, mais pourquoi je lui ai dit cela? J'ai quitté au palais et tu ne connaissais aucun endroit. Tu dois faire attention avec moi. Je ne vais pas m'énerver encore. Si tu continues, je vais m'énerver. Je vais m'énerver encore pour ça. Je ne veux pas que tu me vexes. Est-ce que tu comprends? N'essaie plus encore. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dû ordonner à son chien de m'attaquer. Oh, Mwambilandoza, où est la vengeance? Alors, officier, admettez-vous que vous avez échoué ou quoi? Jamais. Moi, depuis 2 années que je suis dans ces affaires, je n'ai jamais échoué. Oh, attends. Je vois quelque chose. Je suis en train de voir la brousse du Foco. J'ai vu une fille assise en train de manger les biscuits et en train de boire du jus. Mais elle n'est pas vraiment clair. C'est quelqu'un d'un peu foncé. Oui, je sais ce que je dis. Vous savez quoi? Trouvez-moi une bière, maintenant. Je savais que ça finira comme ça. La bière, encore la bière. Maintenant, il faut que tu arrêtes de dire des bêtises. Si c'était aux États-Unis, je t'aurais botté le fesse et tu seras en ce moment à l'hôpital, tu comprends? Mais j'ai une nouvelle pour toi. Je ne veux plus que tu échoues dans les tâches que je t'assigne. As-tu compris? Est-ce que tu as compris? Laisse-moi te dire une chose. Quitte ici, maintenant. C'est d'accord. Vous ne savez pas combien est-ce que je suis proche de cette affaire. Mais c'est d'accord. J'en ai en main. Mais je reviendrai. Jackie boy. Boss. Amène-moi ce que je t'avais demandé de m'amener. Quitte ici. Je reviendrai. Quitte ici, mon cher. Laissez-moi avoir encore. Où ça? Boka, c'est moi, Igné. Je suis au palais et je suis avec la reine maintenant. Nous ne sommes qu'à deux. Oui, je t'ai dit que nous ne sommes qu'à deux, pas personne d'autre. Où es-tu? Non, mais tu dis quoi? Où c'est? Quoi? Oh mon Dieu! Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'ils sont à la frontière du Cameroun. Hey!
Et j'ai pu entendre la voix de Serena dans l'arrière-plan, disant que c'était du mensonge. Annie, pardon, pardon, je t'en prie. Je veux que tu fasses quelque chose. S'il a dit qu'il veut ma fille et il veut devenir un roi, c'est pas grave. Laisse-lui avoir ça. Moi, je veux juste avoir ma fille. Pardon, je t'en prie. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'il dit quoi? Il ne l'aura jamais. Hey! Oui, il ne l'aura jamais, je te dis. Il ne sera jamais roi. Jamais. Je te comprends pas. Je te comprends pas. Tu remets ma décision en cause? Ce n'est pas ça la condition qu'il a donnée pour avoir kidnappé ma fille? Annie! Oui, ça c'est la condition que je t'ai donnée. Ma reine, je suis avec toi. Et je te soutiens à 100%. Mais il ne l'aura jamais. Mais seulement, laisse-moi les rencontrer face à face. Laisse-moi les rencontrer de face à face, comme ça toutes ces bêtises finiront. Laisse-moi les rencontrer. Parce que le problème, c'est que je ferai de mon mieux pour le convaincre qu'il sera le roi. Qu'il le sera, mais à la fin, au tournant de cette affaire, je l'aurai. Et tu verras ce qui arrivera, tu verras tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais Annie, tu veux dire qu'ils sont à Cameroun Boda, qu'il est parti là-bas, c'est ce que tu as dit? Oh, c'est ce qu'ils ont dit, hein? Hey. Au frontière du Cameroun. Mais ne t'en fais pas, d'accord? Laisse-moi essayer une fois de plus si je l'aurai au téléphone. Hey! Ah! Hey. Ça sonne? Oui, ma reine. Il a décroché? Hey. Hey. Tu es vraiment stupide. Qu'est-ce que tu attends? Prends l'appel! Prends! N'essaye pas de me parler ça encore! N'essaye pas! Tu vois comment tu es confus. Tu ne sais même pas quoi faire. Écoute, ce n'est pas encore tard. Si tu ne sais quoi faire, alors arrête! Qu'est-ce que c'est bêtise? Ah, là tu m'appelles confus. Hein? Tu m'appelles confus. Toi, tu n'étais même pas capable de donner une seule idée. Hein? On va dormir ici. On va dormir ici. Jusqu'à ce qu'il va venir avec les documents et je vais les signer sans la police. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu comprends? Toi, tu penses que non, je vais les laisser faire ce qu'il veut? Non! Je n'ai pas confiance à lui. Je n'ai pas confiance à lui. Approche, j'ai une idée. Approche, j'ai une idée. Viens. Tu sais ce qu'il se passe, Jackie Boy? Si jamais j'avais douté de toi, je m'excuse. Je te crois maintenant. Nous sommes une seule personne, boss. Oui, je sais. Du champagne en Espagne. Vraiment. Mais je ne sais pas. Parle, boss. Tu sais, j'en suis venu avec une idée de donner une dernière chance à ces sous-là. Une seule chance. Quoi? Non. Non, boss. Encore. Je savais que je n'allais pas aimer ça, mais je ne sais pas. Je pense que c'est juste une idée. Pas encore, boss. Pas ça, boss. Ce n'est vraiment pas une bonne idée, ça. Hein? Non. Je pensais juste. Laisse-moi aller à l'endroit qu'il m'a prescrit, d'accord? Je ne reviendrai pas sans ta fille. Et les documents qu'il fait avoir et avoir ma fille pour devenir roi? J'en ai ici.
Et ce sont des bons documents. Signés et scellés. Mais je sais comment m'y prendre. Oui, je sais quoi faire. Je ne veux pas qu'aucun mal n'arrive à ma fille, s'il te plaît. Je t'en supplie. Pardon. Rien n'arrivera à ta fille. Oui, je dis rien n'arrivera à ta fille. Regarde-moi faire. Je mènerai cette mission jusqu'à la gagner. Et je finirai par amener ta fille ici saine et sauve. Oh. Écoute-moi un peu. J'ai renvoyé le mec là-bas en bas parce que j'ai dit que sa présence pouvait un peu déranger ta tranquillité ici, tu vois. Ces garçons est un garçon difficile. Hey, pardonne-moi ces discours-là. Maintenant, écoute-moi. Je vais te donner une dernière petite chance. Une seule chance. C'est soit tu exécutes ce que je vais te dire, ou c'est toi que je vais exécuter. Je ne plaisante pas. Quand je m'en prends à quelqu'un, sa vie ne reste qu'une petite histoire. Alors, dis-moi, voyou, combien de bouteilles veux-tu? Mr. Claus, non, tu comprends. J'ai besoin de deux bouteilles. Juste deux bouteilles. Pas quelque chose de très froid ou très chaud. Deux seulement, deux. Deux. Ouais, juste pour apaiser ma morale. Là. À une condition. Dès que tu auras terminé de consommer cette boisson, il faut que tu ailles te mettre en action. Et il n'y aura pas d'excuses. Et rappelle-toi. Soit tu exécutes le plan, ou c'est moi qui vais t'exécuter ici. C'est ça mon travail. C'est d'ici que vient mon inspiration. Je suis impatiente. Mon sixième sens me dit qu'elle est toujours aux alentours. Ça va aller. Princesse va nous revenir bientôt. Je prie que ça soit ici. Elle sera là. Je prie pour ça. C'est bon, ma reine. Ça va aller. Hey. Oui. Jackie Boy, prépare-toi déjà, d'accord? D'accord? Arrange bien tes affaires, parce que nous allons aller gosser aujourd'hui avec les derniers vols. Boost! Boss, dis-moi, tu es le seul qui me raconte cette histoire en ces moments. Oui, c'est vrai, je n'ai pas oublié, je sais, lève-toi. Boss, on va vraiment les faire. Exactement, alors, emballe bien tes affaires, Jack. Et quand tu vas là-bas à la cuisine, tu vas chercher une nourriture
local avait quelque chose d'autre et nous allons quitter la chambre. Ah, boss, s'il te plaît, ne change pas d'idée. Ne change pas d'idée, boss. Non, ça ne va pas changer. Et j'ai fait ça pour toi. Et nous voilà maintenant. Chut, calme-toi. Hey, écoute-moi, il ne faut pas oublier tout ce que j'ai dit. Et je lui ai donné la bonne direction comme tu me l'as demandé. Ça, c'est bien. Quand il viendra avec le papier, tu vas le signer. Mm. Alors tu deviendras roi. Et je serai reine. N'est-ce pas ce que tu voulais? Oui, mais... Je m'en ai peur. Et si on m'attrape? Comment? Comment? Ce que je suis en train de faire, non? Je ne pensais pas que ça arriverait ici. J'étais juste en train de blaguer. Hein? Et comment je serai le roi? Tu dois être fou. Hey. La royauté, c'est ce que tu veux. Okay. Ah, donc je serai le roi de la famille royale. Igwe. Buka. Hey. Oriente cet homme, s'il te plaît. Hein? Qu'il vienne aussi me libérer. Tu dis? Mais tout ce que tu dis là, ce n'est pas possible. Je ne vais pas le faire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Seulement si je vois et signer les documents, c'est là que je vais te laisser partir. En tout cas, je ne vais pas te laisser partir comme ça. Même si je fais la confusion. Même si je suis dans un état compliqué. Hein? Mon cerveau réfléchit bien. Tu comprends? Il réfléchit bien. Tu penses que je vais perdre? Eh, tu as tort. Buka. Non mais s'il te plaît, viens, non, sors de là. Viens résoudre ce problème une fois pour toutes. S'il te plaît. Je suis seul. Et j'ai cette lettre signée. Une fois que tu auras signé. Oui, si tu signes la lettre, tu deviendras roi. Simple. Où? Je suis déjà au coin. C'est où? Oui, d'accord. Ok, oui, j'arrive. S'il te plaît, j'arrive, attends-moi. Tu as encore violé mon intimité avec tes histoires? J'ai une révélation. Quoi? Ok, écoute. La personne à qui tu as vraiment cru est celle qui manigance toutes ces choses. Tu comprends ça? Je comprends pas. Comment? Chief Eni est le père de Buka. Te rappelles-tu du jour où ton mari était mort? Était-il dans le palais, d'accord? Oui. Comment le sais-tu? De le détective. Et ils ont pris prendre le vin de palme ensemble. Oui. Oui. Mais non, tu dois me passer l'information dont j'ai besoin. Tu dois me donner l'endroit où s'est trouvé Buka hier, ainsi qu'avant hier. Avec ça, je pourrais facilement retracer où est-ce qu'il est présentement. Rapidement. Très important. Très, très important. J'ai besoin de la bière. Mais non. Oui, je te prends de la bière. Servante! Servante!
bouteille de bière. Oh. Hmm. J'ai été tout ce que je voulais dans cette vie, sauf être roi. Il faut que je devienne le roi. Et pour cela, même un business, un deal de 100 milliards ne va pas m'arrêter. Et quand je serai le roi, j'aurai le business et tout ce que je voudrais. 30 minutes à partir de maintenant. Je vais jouer la toute dernière carte que j'ai gardée. Même Jackie Boy ne comprend rien de tout ceci. Est-ce tout? Oui, c'est tout ce que je sais. Je sais où ils sont. À la forêt de Voko. Quoi? La forêt de Voko. Attends, je ne comprends pas bien. Tu veux dire qu'ils sont juste ici derrière nous? En forêt de Boko qui n'est pas loin du palais? Oh mon Dieu, je suis vraiment arrivée jusqu'à ce niveau? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! La forêt de Voko. Me voici en train de venir. Hey, Eboka, donc tu es vraiment ici? Juste derrière nous ici. Où sont les documents? Je ne suis pas en train de blaguer. Je dis où sont les documents. Regarde, j'ai la machette. Est-ce que tu comprends? Où sont les documents? Calme-toi. Calme-toi. Tu seras le roi. Définitivement. J'ai tout ici, dans cette enveloppe. C'est toi le roi. Calme-toi. Comment est-ce que je serai roi? Donc vous là, vous ne comprenez pas que je suis en train de jouer avec vous. Je suis juste en train de blaguer et vous prenez ça au sérieux. Vous voulez faire de moi un roi. Et si je deviens le roi, en tout cas, moi je suis prêt. Je ne fais pas des blagues. Et des mensonges là, ça ne marche pas. Regardez, les mensonges, ça ne va pas marcher. Moi, je suis là prêt, je suis prêt. Si vous blaguez, moi, je ne blague pas du tout. Boka, qu'est-ce que tu viens de dire? Ai-je dit quelque chose? Est-ce... Tu penses que je suis en train de blaguer? Je suis vraiment sérieux, je vais le faire. Ne le fais pas, pardon. Pardon, d'accord. Enlève ça, tout est ici. Tu seras roi, je t'assure. Enlève ça. S'il te plaît, enlève ça, je t'en supplie. Pardon. Ne fais pas ça. Tout est ici. Pardon. C'est déjà signé. Enlève ça, pardon. Tout est ici. Oui, allô, ma reine. Non, ma reine, vous ne pensez pas à ce que je me trompe. Je vous ai bien dit que ce gars aurait terminé son travail si seulement vous lui avez donné les informations dont il avait besoin. Oui. De toute façon, il sera toujours un petit bâtard. Au revoir. Quoi, boss? Surprise. Le flic Sula est un vrai. Il a beaucoup d'informations. Et la reine croit vraiment en lui. Quoi? Il va revenir avec ce qu'il a peur? Non, allez, mec, calme-toi un peu, s'il te plaît. Je veux être le roi, est-ce que tu m'entends? Et quand je serai le roi, nous retournerons à Los Angeles
Nous allons prendre toute la marchandise et nous allons finir le deal. Oh boss, tu l'as promis. Ne cherche pas d'avis, boss. Ne cherche pas d'avis. Non. Et je n'ai pas du tout changé d'avis. Mais voici la différence. Nous irons là-bas cette fois-ci avec de la royauté. Rappelle-toi, la royauté est respectée partout dans le monde. La loyauté. Oui. La loyauté. Oui. Oh, votre majesté. Exactement. Et cette fois-ci, tout sera entre nos mains. Oh, oh votre majesté. Oui. Les cusopistos, les mafiasos. Impero fichio koshi. Oh, yeah, votre majesté. Je suis content. Les cusopistos. Ah, lève-toi. Allez, oh, lève-toi. Nous sommes une famille royale. Oui, nous sommes de la royauté. Hé, hey. c'est vraiment sérieux. Vraiment, je serai le roi. Je t'avais donc, dit, tu pensais il faut que je signe seulement. Ouais, c'est vrai. Odogu, une bonne idée. Hi. Tu pensais que je blaguais. Oui, oh. Tu peux maintenant me libérer. Tu as eu ce que tu voulais. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Toi, calme-toi. Hein? En fait, toi, reste là. Calme-toi. Hey! C'est bon? Apaise-toi, d'accord? Et ça va aller. Aïe! Ah oui! Aïe! Eh oui! Qu'est-ce qui t'est arrivé, Boka? C'est ce que je bu, oh. Qu'est-ce que tu as bu? Je bu une solution qui s'appelle le revers loyal. Ils disent qu'une fois que je bois, tous mes problèmes seront partis. Et ma situation va s'arranger. Le revers loyal. Je vais vraiment dormir. Je me suis endormi et je commence à faire beaucoup de rêves comme un roi. Et j'étais avec la princesse ensemble. Je t'avais vu aussi dans les rêves. Moi? Oui, tu étais là. Et tu avais beaucoup d'argent. Et les rêves étaient tellement longtemps. Et je ne savais pas mais quoi faire. J'ai pensé être roi. Jusqu'à ce qu'on m'a giflé. Et vraiment. Et j'ai vraiment crié. C'était trop dur. Regarde, Boka. Il n'y a pas un processus court pour prospérer dans la vie. Aucune manière. Aucune solution qui peut te rendre riche brusquement. Écoute, la seule chose que tu as besoin est travail dur, la grâce et la chance. Est-ce que tu comprends? Il n'y a pas un processus court pour prospérer. Raison le travail dur, la grâce et la chance et ça va te rendre prospère. Je comprends. Je commence à comprendre maintenant. Je dois trouver un bon boulot qui va m'aider. Oui, il faut que je trouve un bon boulot. Okay. Ne bois pas encore ces boissons qui n'ont même pas de sens. Quel rêve, mon cher. Quel rêve. Ça, vraiment, ce n'était pas un rêve. C'était une autre chose. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le hibou.